code juste au-dessus de la planque. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue aussi loin. Il y a un énorme marécage acide entre nous et l'usine de gélatonium des Morques. Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarabides ? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevaucher. Hein. Ratchet, est-ce que tu me reçois ? Oh non, mon communicateur doit être en panne. Les Morques sont dans leur usine de gélatonium. On va pouvoir traverser le marécage. Débarrassé avec brio. Oh. Mais j'avais pas ça sur mon compte la dernière fois. Oh, c'est parce que j'y ai ajouté notre ami commun à Nefarious City. Ok. Oh oui! C'est le dernier cri! On se l'arrache! Oh! Qui n'apprécie pas faire une belle journée ensoleillée, enraciner ses ennemis grâce à un arroseur taupière, déployer une tourelle qui transformera tous vos ennemis en pauvres plantes sans défense! Les ennemis vont littéralement se planter. En voilà une splendide amélioration. Offre-toi une amélioration, tu le mérites. Thank you.
Cette grotte semble abriter une sorte de distorsion dimensionnelle. Et voilà le dernier scarabée qui file dans cette espèce de faille. Intéressant. Ton gant doit aussi intégrer une longe dimensionnelle. Alors, monsieur, je sais tout. C'est quoi cet endroit? Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. Mais d'où est-ce que tu sors tout ça? C'est Ménard! Le robot a tout fait des morques! Il a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarabée! Tape sur le nid pour attirer son attention. Pourquoi? Oh, non! Éloignons-nous de tout cet acide. Fonce, Ménard! Conduis-nous au morgue! Je gère. Tu vois, je me crache pas à tous les coups. Stop! Stop, stop, stop! Voilà l'usine de gélatonium. Tout est bon, les amis. On a
traquer le Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein? Attendez un peu. Tu vois, ils sont à la recherche de Ratchet. Je t'ai dit la vérité. Comme toujours, moi, je serai mes amis. Je vais vous dire, moi, où trouver une Lobax. Elle sait se battre. Lobax, t'as intérêt à nous dire où trouver ton ami. Quand on a su que ces types traquaient un Lobax, on s'est inquiété pour toi. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous as sauvé la mise. Attends, où sont les autres? Il y a plein de morques coincés dans ce truc bizarre, là. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Oh, entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas franchement la joie. Oh, pas de soucis, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Urki. Morgue va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Urki? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère. Juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Morgue une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet. Défense d'entrée. Compris. Pourrais-je y jeter un œil? J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Je... D'accord. Salutations, bienvenue. Et comment es-tu entré ici? Où sommes-nous exactement? Ici? Oh, tu l'ignores. Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions. C'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Le temps le dira. Oh. Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank. Si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255 phase Oméga. Mais tu peux m'appeler Gary. Ah, voilà Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lobax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Oh, un ami de mon père, je vois. Votre père? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions? Vous savez comment réparer les dimensions? Et pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici? Ce sont tes possibilités, la clé pour réparer cette anomalie. Mais d'abord, ramasse cette sphère là-bas. Une sphère de légèreté. Peut réduire la gravité de tous les objets qu'elle touche. Il semble que tes possibilités soient ce qui empêche l'anomalie de s'effondrer. Elle te ressemble, car c'est ainsi que tu interprètes la dimensionnalité. Mais, comme tu peux le voir, elles sont égarées.
Si tu parviens à les guider jusqu'au métaterminal là-bas, tu commenceras à réparer l'anomalie. Et tu ne seras plus très loin de réparer cette anomalie dimensionnelle. Je crois que les choses commencent à prendre du sens en termes de dimension. Pour aider à la mobilité. À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary? Sur Savali, en fait. Et j'ai même mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir dimensionnel que je connaisse. Je vais atteindre des sommets. Cet appareil pourra peut-être rediriger mes possibilités. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Oh, fantastique! Tu sembles avoir un talent inné, Clank. Disons que je suis prudemment optimiste. J'ai bien conscience que j'apprends quelque chose en élucidant ces énigmes, mais je ne saurais expliquer de quoi il s'agit. Les mots viendront lorsque tu seras prêt. Pour l'instant, mène tes possibilités jusqu'au dernier méta-terminal. Et sans vouloir te stresser, des tas de choses dépendent de toi. Des tas et des tas. Si je répare cette anomalie, tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également? Oh non! Les anomalies se répandent trop vite pour ça. Je crains qu'un cataclysme dimensionnel soit déjà en marche, et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qu'il a causé. Le dimensionnateur? Tout juste! Mais si réparer les anomalies t'aide à en apprendre davantage sur la dimensionnalité, tu devrais bientôt en savoir assez pour nous sauver. Espérons. Je suis perplexe. Je ne sais pas si je serai capable de résoudre toutes ces énigmes. Pourquoi dis-tu cela? Il y a bien longtemps que je n'ai plus accompli d'actes héroïques. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionnateur, j'ai de quoi être inquiet. En période de grand stress, c'est-à-dire à chaque jour de ma vie, je pense qu'il vaut mieux aborder les problèmes un par un. Se concentrer sur ce qui se présente. Pardon si j'interromps le processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Ça devrait alléger les choses. Réparer l'anomalie, nous avons fait un pas de plus vers la prévention du cataclysme dimensionnel.
Et là, je lui dis, écoute, Mork, toi, Mork et Mork, vous allez bloquer cette limonade avant que Mork arrive. Waouh, tu les as sauvés. Comment t'as fait ça? Je n'en suis pas très sûr. Oh, Rivette, comment ça va, ma grande? Regardez qui voilà. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarious City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandée... Ce vieux tas de boue sera bientôt comme neuf. Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma planque. Qu'allons-nous y faire exactement? Tu le sauras bientôt. Interagir avec ces failles. Ta longe dimensionnelle, oui. Essaie de viser la faille. Waouh! C'était trop cool! Ça flotte, Ménard. Prochain arrêt, ma planque. Sont sur cette plateforme. Encore merci. Je vais trouver un moyen d'y aller. Tu dois d'abord marcher sur ces verrous à pression pour l'atteindre. Tu ne pourras pas abaisser le pont. On a des plateformes. Les carabines n'arrêtaient pas de tirer dessus. Vous
des accès de ta planque quand ces bons à rien ont débarqué. T'inquiète pas pour ta planque. Tout est exactement comme tu l'as laissé. Si jamais t'as l'occasion de discuter avec le pilote de l'astropode, dis-lui de la mettre en sourdine. Non, dis-moi que c'est une blague. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Quitte à regretter de l'avoir suggéré, que dis-tu du scarabide? Ce que j'en dis. Oh! On tombe sur un autre Gringor. Je confirme. Je regrette. Bien, mon gros. On sait tous les deux comment ça va finir. Affronter un dernier ennemi, les verrous des morgues. J'ai l'impression qu'il faut les actionner rapidement. Ouais, les morgues adorent compliquer les choses. On y est. Je vais découvrir la vérité à ton sujet. Si seulement je pouvais parler à Ratchet. Salut, beauté. Enfin chez moi. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Écoute, je suis pas fan des robots. Surtout quand ils sèment le chaos dans ma galaxie. Ce n'est pas mon cas. J'essayais d'aider Ratchet à trouver les autres Lombax. On le saura bien assez vite. Il me suffit de vous scanner, toi et l'info-robot que j'ai trouvé à Nefarious City. Ah
dit mon horoscope. À l'abri ici. Je t'assure que ce n'est absolument pas nécessaire. Je n'avais pas menti. C'est ce que je t'ai répété plusieurs fois. Ton nez, Farius, il ressemble beaucoup au mien. Et il est tout aussi méchant. Quant au Lombax, je sais que ça va te paraître dingue, mais... Tu penses qu'il n'est autre que ton double dimensionnel? Un truc comme ça. Écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va arranger ça. Oh? Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois. Pas tous les robots, juste... la plupart. Tu sais, comme l'Empereur, ces imbéciles de serviteurs, les pirates... Ouais, je sais, c'est plutôt ironique. Oh, je suis vraiment navré. Je n'avais pas l'intention de... Tu culpabilises? C'est quand même moi qui viens de fouiller dans ton journal intime.
de te faire éviter en charge. Rends-moi mon robot. Le générateur de ce pouvoir presque de recharger le stabilisateur de vol. C'est parfait. Quoi? Non, je ne laisserai pas m'échapper. Il est grand temps de changer de tactique. Déploiement d'explosifs amphibies. Lance tout ce que tu voudras. Tu ne m'échapperas pas. On va sauver Boulon. Le stabilisateur de vol, je dois d'abord grimper sur son dos. Ça va, Boulon? Tu es venu me sauver? Merci. Après tout, on a encore une affaire à régler, toi et moi. Oh, on devrait aller voir si Mork a réparé le vaisseau. Au fait, que dirais-tu d'un amplificateur de signal pour réparer ton communicateur? Ce serait merveilleux. Ce sera pas aussi cool que ce qu'on va trouver dans cet info-robot, mais ce sera pas mal. Rivette, le vaisseau n'attend plus que toi. Oh, Mork, tu l'as réparé. Merci beaucoup. Tu es prêt? Oui, absolument. De quoi s'agit-il? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky. Moi. Membre de la Résistance, j'envoie la liste de cibles de l'Empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'Empereur nous trouve nous aussi. Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer, que Ratchet et moi sommes perdus. Oh, je vois. Et ton communicateur sera bientôt réparé, c'est déjà un début. Oh, oui.